durant cette année. Ceux qui le désirent peuvent recevoir la statue de Saint-Joseph dans leur famille, chez eux. Alors bien sûr, pour des raisons sanitaires, vous ne pouvez pas regrouper tout le quartier chez vous, mais vous pouvez le prendre pour vous, pour prier pour votre famille, aussi prier pour la paroisse, prier pour l'Église, prier pour la France. Donc elle va partir aujourd'hui, la statue, je vais la bénir. Sachez que vous pouvez vous inscrire, soit sur le Doodle, vous avez le lien. Alors certains peut-être qu'ils n'ont pas réussi à s'inscrire tout simplement, quand ils n'arrivent pas à s'inscrire, c'est que le jour est déjà pris. Donc les prochains jours de libre, c'est, je crois que c'est vers le 20, 22, 23 mars. En tout cas, vous avez un tableau qui se trouve dans le fond, vous pouvez cocher, puis mettre votre nom et le numéro de téléphone. Voilà. Et donc, on vous la portera, cette statue. J'essaierai même moi-même de la porter systématiquement, mais je pense que je ne peux pas à chaque fois. Ça me permettra de vous visiter. J'invite peut-être la première famille à venir, à les coller. Si vous acceptez de venir ici devant, vous pouvez recevoir. Nous allons bénir cette statue. Dieu, source de toute grâce et de toute sainteté, regarde avec bonté tes serviteurs, les habitants du Chalonnais. Nous avons placé ici cette statue de Saint-Joseph et nous te prions. Puisque Saint-Joseph est un ami de Dieu et qu'il partage sa gloire, puisque Saint-Joseph a été un témoin de la vie selon l'Évangile, que Saint-Joseph sois notre intercesseur auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous allons prier la prière qui nous invite à dire le pape François dans sa lettre apostolique. Vous avez cette prière sur la feuille d'annonce, si vous le désirez. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nous allons mettre cette statue dans une valise qui est prête pour un voyage de près de un an sur notre paroisse. Recevez ce Saint-Joseph et priez pour votre famille, mais aussi pour nous tous. Nous allons la mettre dans cette valise.
La bonne route Saint-Joseph. Toujours par rapport à Saint-Joseph, sachez qu'il y a possibilité d'acheter la BD qui a été réalisée par le père Christophe Adris, donc curé de la paroisse ici. Et donc cette BD est au fond au prix de 15 euros, une BD sur Saint-Joseph. Il y a également la lettre apostolique qui est une pure merveille, sincèrement c'est très très beau. Vous l'avez sur internet, mais vous pouvez l'avoir en livre, pas en livre, mais aussi en petit fascicule, au prix de 5 euros. Vous l'avez sur internet aussi. C'est vraiment une pure merveille, cette lettre apostolique. Prière à Saint-Joseph que nous propose le pape François pour cette année. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi, Dieu a confié son Fils, en toi, Marie a remis sa confiance, avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.